Thank you.
こんばんは皆さん。お元気ですか？ Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Je dis Naruto, vous mettez Naruto dans le chat s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, konbawa, konbawa. Ah, genki so desu ne. Yahoo tout le monde, coucou coucou. Yes, pas de... Comment on dit déjà en français? Lag avec le chat. Merci beaucoup Hanyu42 pour ton follow, c'est super gentil. Follow j'te kurete. Arigatou gozaimasu, sono channel e yokoso, bienvenue sur la chaîne. Alors je suis en train de me dire que les annonces, on n'a pas dû les entendre. Est-ce que vous entendez la musique de fond? Est-ce que vous avez entendu l'alerte? Est-ce que les réglages du stream sont ok? Comme toujours. Coucou tout le monde, comment ça va? Ok, donc l'alerte, normalement là ça devrait être bon. Attendez, j'en lance juste une. Est-ce que vous l'avez entendu? Est-ce qu'on l'entend? Ok, c'est bon. Est-ce que vous avez une carte bleue? Est-ce que vous avez une carte bleue? Est-ce que vous comptez sub à la chaîne? Je dis ça, mais bon, on est encore loin de l'objectif bulletin de notes. Hein. Kakashi Forever, mais oui! Yahoo! Comment allez-vous, les gens? Est-ce que votre week-end s'est bien passé? Dites-moi tout. Je veux savoir votre vie dans les détails, les moindres détails. Si vous avez une CP, je vous envoie mon rib. Yes! Enchantée, oui, on entend tout. Ok, parfait. Comment vas-tu, Hanyu? Bienvenue à toi. Qu'est-ce que j'ai l'habitude de dire? Ouh là là, j'en perds mon français. D'où viens-tu? Comment vas-tu? Et comment nous as-tu trouvé? N'hésite pas à le dire dans le chat, du coup. Le changement d'heure a fait mal. Oui. Oui, 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 je suis épuisée. Je suis fatiguée, les gens, je suis fatiguée. Coucou tout le monde, à tous ceux qui arrivent, coucou. J'ai eu un lundi de merde et peu productif. J'ai un remédié à ça. Tu es au bon endroit, évidemment. Kamita Mamegu. Très long comme ce dos, je m'excuse, j'ai bugué. Un petit coucou au passage. Je regarderai la rediff. Bonne soirée à tous ces bons co. Oh non, Grim! À la prochaine. Merci d'être passé. Merci d'avoir un petit coucou. Du coup, c'est gentil. Arigatone. J'arrive pas à récupérer les clés de ma nouvelle maison. Ah! J'espère que tu n'es pas à la rue, Tenjomaro. Ah, wakata, Megu, Megu Nishimasho. Wakata, ça marche, Meg. Pas encore. Ouh, on est sauvés. Alors, j'avais rien de spécial à vous dire aujourd'hui, je crois. Il s'est rien passé de spécial. J'ai changé le follow goal, du coup. Je dois faire un sondage. Je dois faire un petit sondage sur l'opening que l'on va traduire. Est-ce que dans le chat, vous avez déjà des préférences? Est-ce que vous avez genre un animé ou un opening que genre vous aimeriez absolument qu'on le traduise en live ou pas? Merci beaucoup, Pandolf, pour ton follow. Follow stikulete. Arigato gozaimasu. Sono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment nous as-tu trouvé? N'hésite pas à le dire dans le chat, s'il te plaît. Sanpo? Sanpo? Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Yoru ga akeru. Et c'est quoi, dauphin? Je connais pas. Si vous avez, alors, si vous avez des openings que vous aimez bien, parce que moi j'en ai aucune idée, n'hésitez pas à me les envoyer en MP sur Discord. Envoyez-moi les liens des chansons, des openings. Comme ça, moi je ferai une petite présélection, mais je ferai une annonce. Hein. Je vous rassure, je ferai une annonce sur le Discord pour faire une présélection. Et je choisirai aussi en fonction de mes goûts, forcément. Autant traduire quelque chose que j'apprécie également, sinon c'est un peu compliqué. Et après, je ferai un sondage sur Instagram et Discord, je pense. Parce qu'il faut qu'on l'organise, on l'a réussi le follow goal à 2000. Du coup, je vous dois une traduction d'opening, hein. Je vous l'avais dit. Hein. Bonsoir tout le monde. Viendez, viendez. Qu'est-ce qu'il y a, Kalinours? J'ai eu un joli bug. Ah, d'accord. Trois fois les mêmes phrases dans 5 minutes. Yes. Son de Tonari no Totoro. Ah, naruhodo ne. Naruhodo. Spider cochon. Et il faut que ce soit un opening d'anime. Hein. Pas d'un dessin animé ni d'un cartoon. Un anime en japonais. Ça serait bien.
L'opening de Black Butler. Mais je dois faire une présélection du coup, faut que je vois la majorité, ce qui ressort le plus. Certainement un gros opening, genre d'une grosse série. Certainement que ça va être ça. Mais lequel, vous pourrez voter, donc voilà. J'ai tellement de matière avec tous mes animés vus. Bah écoute Meg, hésite pas à m'envoyer tes recommandations. Vous buguez ? Attendez, la qualité elle est de combien ? Elle est de combien la qualité du stream ? Oh ça va, vous pouvez changer. Vous pouvez réduire la qualité si besoin, donc ça va. À chaque fois j'ai peur qu'ils me foutent un truc en 720p obligatoire. C'est un peu relou quand c'est ça, mais... Shoganai, n'est-ce Shoganai. Jujutsu Kaisen, c'est super populaire. Il faut absolument que je regarde l'anime. Shingeki no Kyojin, ça aussi, forcément. Bientôt, fin de ses parties 1, saison 4. Donc ça, je pense qu'il sera dans la liste, forcément. Peut-être Sasageyo. Shinzo Sasageyo. Mais je ferai une liste, peut-être une dizaine, en fonction de ce que vous me recommandez. Et après, je ferai un sondage. Comme ça, j'essaierai de... Oh! Merci beaucoup Tejomaru pour les bits. Je mets des clap 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 dans le chat. Ouais, One Piece, Tokyo Ghoul, Dr. Stone, tout ça c'est des trucs qui vont parler aux gens. Et les openings, ah oh, bah Unravel, Tokyo Ghoul, je pense qu'il sera dans la liste, hein. Je pense qu'il sera dans la liste. Bah oui, Ghosto, logique, MDR. À boire, j'ai à boire, j'ai du fusti aujourd'hui. Kampai, kampai Megutan. J'ai vu Alice sur Netflix, c'est super émotif. No spoil, mais ceux qui l'ont vu comprendront. Il est vraiment bien, j'ai hâte de voir la saison 2. Ça me fait penser à un vieux drama qui était autour du jeu et de l'argent. Ah bah tu vois, Croix de Trèfle, on l'avait dit. Excellent Alice in Borderland, je recommande. Oh, Susumene, c'est une recommandation pour tout le monde. Hein. Elle est vraiment top, 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 la série. So dessiné. Big up. Ceux qui ont vu SK8, c'est infini, l'op, est trop bien. Oh, ça, je crois que c'est des trucs qui... Soit sont trop vieux, soit sont pas assez populaires pour que je connaisse. Je suis désolée. Sumimasen. Sumimasen. Oui, j'ai vu One Piece, oui. Moi, le seul que je connais, c'est Weor, mais tous les openings sont bons, hein, de base, hein. Faudra juste que je regarde, je ferai une sélection aussi par rapport à la difficulté du texte. Hein. Faut un minimum que moi aussi je le comprenne. Sinon ça va être compliqué. Ah oui, SAO, les openings d'SAO sont cool. Enolagami, évidemment, évidemment. Il y a des beaux mecs. Ok, mec. Ah, Alexa, ta gueule. Oh non, elle me saoule quand elle fait ça. La violence. Ouh là là. Sensei, elle est violente. Oh non mais... Non mais ça vous... Non mais... Problème de... On n'est pas riche, mais... Problème de porteur d'Alexa, ça vous saoule pas quand elle parle alors que vous l'avez même pas appelée? C'est relou. Elle coupe la parole, là. Hashtag free Alexa. Non. Coucou Maïe, comment tu vas? Genki desu ka? Yular in April, j'ai vu l'anime je crois, mais je vois pas c'est quoi l'opening. Il m'a pas marqué en tout cas, la chanson. Y a, après, les chansons de Your Name aussi, ça peut être pas mal. Elles sont cool, elles sont pas trop compliquées. Mais voilà. Pandora Heart, oh, j'avais lu les mangas à l'époque. J'avais lu les mangas. Le début, j'ai pas tout lu, hein, mais voilà. Mais on fera une petite... voilà, je parle de ça pour faire la commode, hein, comme d'habitude. Mais je vais essayer d'organiser un sondage, une présélection dans la semaine pour essayer de mettre ça en place la semaine pro ou dans 2 semaines, le live de traduction. Voilà, quand j'aurai un peu plus le temps. Bon, sur ce, je sais pas qui a regardé I Want to Eat Your Pancreas sur Netflix, mais il faut s'accrocher pour pas chialer. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et le ghosto peut confirmer dans le chat. J'étais en PLS émotionnellement, j'étais en mode... Ah, j'étais trop mal, trop mal. Ah, le moment où... Oui, pour ceux qui ont vu, le moment où il va voir sa mère. J'ai pas pu me retenir, hein. J'ai pas pu me retenir.
Il reste des packs sacolés dans la boutique. Il faut dès à présent que je parle en mission pour convaincre que je pars en mission pour convaincre ma mère de m'en acheter. Oui, il en reste encore, Marie. T'inquiète pas, il y en reste. Il y a pas de spoil. J'ai rien dit. J'ai juste dit au moment où il va voir sa mère, tu parles pas de qui. Tu sais pas de qui je parle. Juste ce moment-là, ceux qui l'ont vu ils comprendront. non, ouais. Il se moque de moi quand je me mets à pleurer à cause des animés et des films et des séries. Il est là en mode « Maman, bah alors tu pleures !» MDR. Ose me dire que tu fais pas ça. Hein ? Ose me dire que tu fais pas ça. Je suis trop très mignon. Et après une voix de gogol, là. Bref. Tu t'es fait spoil, SNK ? Ah oh, merde, t'as vu le gars qui a spoil ? Ah, moi, je l'ai pas vu. Du coup, je suis désolée, Megu, malheureusement, je suis pas responsable des gens du chat. Les motos étaient super réactifs, mais... Merde. Titi. Des titi dans le chat pour Megu, qui fait spoil. Non, 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 pas de spoil. Attention, les motos, soyez réactifs s'il y a un spoil, s'il vous plaît. Donc, on commence aujourd'hui. Enfin, on commence aujourd'hui. Oui, on va commencer aujourd'hui. Grosse séance aujourd'hui. Donc, prenez de quoi écrire si ce n'est pas encore fait. Donc, pour tous les nouveaux ou ceux qui sont là depuis peu de temps ou qui n'ont pas encore assisté à un cours de grammaire, on va aborder aujourd'hui 4 choses. Il y avait un spoil ? Oui, les spoils sont ban, évidemment. Les spoils sont bien ban, mais même très très ban. Heureusement que je regarde pas le chat actuellement. Donc, on va travailler sur deux particules. La particule to d'accompagnement, quand on va dire avec, et la particule ni. Donc, ni, la première, on l'a plus ou moins abordée, mais je voulais la respécifier pour être sûre que ce soit bien clair et précis. Donc, la particule du contact direct et la particule ni du COI en japonais. Donc on va travailler ces trois particules-là, du moins l'utilisation de ces trois particules. Et en plus, vu que le cours sinon allait être vraiment trop light, on va travailler tout ce qui est nani ka nani mo, dare ka dare mo et doko ka et doko mo. Je testais la réactivité, je peux le garder. Mais pourquoi c'est qui c'est toi qui avais fait un spoil ? Ah d'accord. J'avais même pas vu que c'était Ghosto qui l'avait fait. Bon. Du coup, est-ce que vous êtes tous prêts? Aujourd'hui, on commence vite. Hein. On a 10 minutes. 10 minutes de commode. Ça va? Si vous êtes prêts, vous mettez des clap dans le chat. Je suis sûre, c'était un truc genre... Bah non, je vais pas le dire. Genre qu'on apprend dans les 6 premiers épisodes de la saison. Hein? Bon, vous avez l'air tous déter, ça c'est cool. Je suis pas prête, mais pas grave. Ah, Ganbatte, Idril, Ganbatte. Bon, ok, tout le monde est prêt, je change de scène. Hop, il faut que je pense à faire des transitions. S'il y a bien une chose que j'ai pas encore améliorée sur la chaîne, c'est les transitions. Mais bon, soit. Qu'il en soit ainsi, amen. du coup, le cours de grammaire d'aujourd'hui. On va commencer avec la particule to, donc la particule d'accompagnement. Donc, on va commencer avec les explications, hein, bien évidemment. Donc, la particule to, elle indique une personne ou un animal qui accompagne le sujet quand ce sujet fait une action ou un déplacement. Autrement dit, quand vous dites « je fais mes courses avec quelqu'un »,« je fais une promenade avec quelqu'un », que ce soit une personne ou un animal, hein, alors, vous allez pouvoir marquer la particule to. Oh, merci beaucoup, Mihaela61, pour ton follow shite kurete. Arigato gozaimasu, sono chanere yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment nous as-tu trouvé? N'hésite pas à le dire dans le chat. Pourquoi? Vous voulez tous faire une sieste? Prête dans quel sens? Allez se coucher, je pense. Non, Kalinos. On va bosser aujourd'hui. Il y a du boulot en plus, hein. C'est quoi tous ces clap et les gens après qui me disent en mode ouais on va dodo. C'est pas très raccord tout ça.
Donc, la particule tau, quand elle est placée après une personne ou un animal, elle peut stipuler l'accompagnement lorsqu'un sujet va faire une action ou un déplacement. C'est vrai, Kalinours, c'est vrai, tu n'avais pas mis de clap, clap, clap. C'est vrai. Donc, la structure de base, hein, c'est le nom d'une personne ou d'une entité, par exemple les amis, la famille ou un animal, plus la particule tau. Et à la fin de votre phrase, phrase japonaise, j'ai envie de vous dire, un verbe, donc soit une action, soit un déplacement, dans les deux cas, ça fonctionne. J'apprends le japonais de mon côté et je t'ai trouvé en scrollant le Just Chatting. Je suis en France. Oh, écoute, bah bienvenue à toi. Si t'as des questions, n'hésite pas à les poser. Et moi, il faut que je parle bien français, ça serait cool. Si t'en as, n'hésite pas. Hein. Donc aujourd'hui, cours de grammaire, mais toute question est bonne à prendre. Ceux qui veulent aller se coucher n'ont pas mis de clap. Je vois ça. Majime na hito wa doko. Donc, votre particule to, elle va se placer juste après les personnes concernées. Et faites attention parce que dans les anciens cours, on a déjà vu une particule to. C'était la particule de la liste exhaustive. Donc quand vous dites un chat et un chien, c'était cette particule-là aussi. Donc maintenant, vous connaissez deux sens de cette particule. Le to de la liste et le to de l'accompagnement avec. Comme d'habitude, on va voir ça à travers un exemple. Donc je vous laisse essayer de lire et traduire cette phrase. Parle en japonais, alors. Ah, wakarimashita, ja, so shimashou ne. Ah, arigato fabuzu pour ton follow. Follow shite kurete, arigato gozaimasu, sono channel yokoso, bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu, d'où viens-tu et comment nous as-tu trouvé? N'hésite pas à le dire dans le chat. Oui, très bien, Christophe. Inuto sanpo shimasu. Inuto sanpo shimasu, donc ici, niveau vocabulaire. Inu, c'est le chien. Et sanpo, celui, c'est un verbe qui veut dire se promener. Donc maintenant que vous avez le vocabulaire, comment vous la traduiriez cette phrase dans le chat? Grosso, kanpeki. Christophe, mon kanpeki desu. So desu ne. Je vais peut-être un peu vite, je suis peut-être un peu rapide, non? Je vous laisse le temps, allez-y. Je redescends là, c'est le début de live, il faut que je prenne un rythme chill un petit peu. Inuto sanpo shimasu. Inuto sanpo shimasu. So desu ne, minasan. Ah, merci beaucoup Lynx87310 pour ton follow. Follow shite kurete, arigato gozaimasu. Ano, sono channel e yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu, d'où viens-tu et comment nous as-tu trouvé? N'hésite pas à le dire dans le chat. Je t'ai découvert sur Insta il n'y a pas longtemps et je voulais savoir comment, toi, tu as appris le japonais de ton côté. Oh, bah écoute, j'ai commencé au lycée, en LV3. Et là, ça va faire 8 ans maintenant et je suis en première année de master. Du coup, c'est grâce aux cours. J'ai eu des cours à l'école, au lycée et à l'université. Ah, minasan, konbawa, Candy-chan, mo, konbawa, konbawa, Gerukurome, genki desu ka? Et sinon, je vais très bien, merci, je viens de France, moi. Oh, wakatta! Chanceuse, ouais, mais mon lycée, j'ai dû aller à l'internat parce que c'était trop la galère, donc chanceuse, mais bon, ça a coûté, et hein j'ai eu de la chance de pouvoir rentrer, mais Genkis. Première fois que je fais un Twitch, et donc mon cours de Jap, quand on fait pause et qu'on fait play, on revient en temps réel, heureusement que je fais ça au début. Oui, faites attention les nouveaux sur Twitch, vous risquez de louper une partie. Sachant que, donc pour tous ceux qui viennent d'arriver, sachez que si vous n'avez pas le temps de rester tout le long du live, ou que vous arrivez en plein milieu, vous avez toutes les redifs qui seront disponibles, merci Gosto, sur la chaîne Twitch et YouTube. Donc dans tous les cas, les vidéos ne sont pas perdues, je les mets sur YouTube, donc voilà. Si vous loupez des petits bouts, vous pourrez à chaque fois reprendre sur YouTube. Wow, oh, merci beaucoup, Allsnake, pour le sub. Je veux des clap, clap, clap dans les chats. Clap, clap, clap dans les chats. Merci beaucoup. Je fais que passer. Bonjour tout le monde. Bon live. Merci, Allsnake. C'est super gentil. Comment tu vas? Genki desu ka? Et du coup, n'hésitez pas à rejoindre le Discord également.
qui est fait pour papoter et vous allez voir pouvoir rencontrer plein de gens qui, comme vous, essayent d'apprendre le japonais. Donc voilà, n'hésitez pas. Dozo. Genki pa ouf. Oh non, nade nade. Taijoubu? Taijoubu desu ka? Isogashi? Byoki, t'es malade? T'es trop occupé? T'es des journées chargées? Arigato gozaimashita. Ok, daijoubu desu. Daijoubu desu. Genki pa ouf, c'est du bon japonais. Je valide. Ah, coucou S de Lim, comment tu vas? Ah, wakatta, All Snake. Bon appétit à toi, du coup. Oh, Space Jeje, Isashi Bully, comment tu vas? J'adore le pseudo en japonais. Space JJ. Genki desu ka? Genki arimasen deshita. Naruhodo ne, naruhodo. Paouf wa mama desu ne. Mama desu, mama desu. Ça, c'est bof bof quoi, mama desu. Va chez la CPE. Ça va et toi? Bah écoute, ça va, ça va, ça va. On commence le cours tranquille, poseille. Du coup, je vous montre à la traduction. Hein. Inuto sanpo shimasu. Bah c'est juste, je me promène avec mon chien. Sanpo shimasu, se promener. Avec quoi? Inuto. Avec mon chien. Coucou Polokom, coucou tout le monde. Ces émotes, elles sont trop cute. Elles sont trop cute. Elles sont trop cute. T'es aux urgences, quoi? Ça va bien, je suis désolée, je suis plus là en ce moment. Beaucoup de taf à la maison et hier, gros souci de santé, j'ai fini à l'hôpital. Ma idée. Ça va mieux? Bon, j'imagine que si c'est sur Twitch, t'es, t'es pas mort et du coup, ça va mieux, mais... Et... Alors, Lynx, tu peux, hein. Là, c'est parce que on a dépassé ce stade sur la chaîne maintenant avec de toujours mettre watashi wa nani nani. Hein. Mais tu peux mettre un hein, watashi wa inuto sanpo shimasu ou mettre un autre pronom, hein, Tanaka san wa inuto sanpo shimasu. Là, c'était pour raccourcir les phrases, on va dire. Mais Lynx, évidemment, tu peux mettre un watashi wa ou un boku wa ou tout autre sujet de ton choix. Ça va, oui, mais ça aurait pu être très grave, très grosse crise d'asthme. Oh merde! Oh, ganbatte kudasai ne! Ganbatte! Onen shite agemasu yo! Coucou Ishtaris, comment tu vas? C'est ça, Lynx. Là, clairement, on n'a pas de contexte, donc c'est pas une obligation. Et là, on pourrait dire il se promène avec son chien, hein, vu qu'on n'a pas de sujet. Ah, yokatta, Space JJ. Alors non, Ishtaris, ça ressemble pas à une liste exhaustive, fais attention, hein, parce qu'on dit pas « watashi to inu wa sanpo shimasu ». Moi et mon chien, on se promène, c'est « je me promène avec mon chien ». C'est. Après, je peux comprendre si tu dis « ça ressemble », mais c'est pas la même chose. Hein. C'est deux choses différentes, je préfère ne pas embrouiller les gens, c'est deux choses différentes. La phrase suivante, du coup, pareil, j'essaie de... je vous laisse la lire, je vous laisse aller... Quelques secondes pour essayer de la traduire. Je vous donne le vocabulaire et après on essaye de voir ce que ça peut donner. Coucou Saima, kanbawa, genki desu ka? Iné, iné. So, Tanaka-san to ramen no tabemasu. Tanaka-san to ramen no tabemasu. Bon, ici, Tanaka-san, je pense que vous avez tous l'habitude de le voir, hein. Monsieur Tanaka, ramen, ramen. Ça, vous connaissez tous, ramen. Et tabemasu, c'est le verbe taberu, qui veut dire manger. Et donc, pour ceux dont il manquait le vocabulaire, qu'est-ce que ça donne maintenant? So desu ne. Mais pourquoi j'irais partager des ramen avec un inconnu? J'ai grand faim, je partage zéro. On fait aller, c'est quoi le thème de ce soir? Oh mais oh,
Je vous donne de l'amour, les gens, de la positive vibe. Prenez, prenez, prenez. Dozo, dozo. Faut aller bien, aller bien. ce soir, le programme, c'est particules tôt avec d'accompagnement, particules ni du point précis et du COI, et les mots nanika, nanimo, dareka, daremo et dokoka, dokomo. Voilà. Un bon petit programme aujourd'hui. J'ai une question pour le kanji de Tanaka. Comment le lire vu que c'est un nom? C'est l'habitude, Ligan. En gros, il y a des prénoms où tu te poses pas de questions. Tanaka, c'est tellement courant que tu le sais. Par contre, forcément, il y en a d'autres, quand ils sont pas très communs, ils ont des fois des lectures spéciales. Et dans ce cas, bah, faut généralement demander à la personne. Ou alors taper le nom sur internet et alors la lecture la plus probable va sortir. Mais quand c'est un prénom connu, il y a pas trop de soucis. Tanaka-san, Ueda-san. Mais, donc là, pas trop de problèmes. C'est quand c'est moins connu, où il bah, faut demander tout simplement la lecture. Et donc, pour le sens, globalement, vous avez tous bien répondu. Hein. Je mange des ramen avec Monsieur Tanaka. Donc là, faites attention. Hein. Il y en a qui se sont trompés dans le temps, qui ont marqué au passé. J'ai mangé des ramen avec Monsieur Tanaka. On n'est pas sur du passé. Hein. Tabemas, je mange. Donc là, il mange des ramen. Il mange quoi? La ramen o, hein, donc des ramen. Avec qui? Tanaka Santo. Avec Monsieur Tanaka. Positive vibe only. Oui, oui. Oui. So desu ne seima. Ou quand c'est un nom coréen. Aussi. Il est trop souvent en retard sous prétexte qu'il travaille, mais ça passe pas avec moi. Vous êtes bêtes là, tous les trois. Ils sont à quoi les ramen? Tonkatsu ramen. Kaoishi. Ah non! Ah bah d'accord, j'ai compris. Des ramen ta fraise. Clap, clap, clap pour cette blague plutôt de qualité. Je la considère que de qualité. Pas exceptionnelle, mais elle passe. Elle est acceptée. Donc voilà. Watashi wa Tanaka-san to. Donc moi, avec Monsieur Tanaka, ramen au tabemas, je mange des ramen. So desu ne. Voilà, ça vaut en 7 sur 10. C'est pas mal, c'est pas mal. Phrase suivante. Donc pareil, je vous laisse la lire. Essayez de la traduire pour ceux qui n'ont pas besoin que je donne de vocabulaire. Et rebelote. Hein. Cette particule, pour ceux qui participent dans le chat, ça a l'air plutôt d'être instinctif. Ça a l'air d'être bien compris. Alors, j'avais une petite question. Comment on fait la différence entre O et O? Alors, O, W-O, hein, l'on m'a dit, c'est la particule, tout le temps. Je connais aucun mot qui utilise W-O à l'intérieur, donc tu considères que c'est une particule, alors que O, la voyelle, alors là, tu la peux la trouver soit en tant que particule honorifique devant un nom, soit dans un mot basique, hein, O qui, O... Juste la voyelle va être considérée comme une syllabe à part entière, alors que O, W, O sera tout le temps considérée comme une particule du COD, en fait. Hein. Ou la particule de lieu, par exemple, Sora o tobu, toka. Je vole dans le ciel. Bien joué, Mayeu, lire sans les fuligana, ça c'est beau, ça. Donc, je vous lis la phrase. Ashita wa tomodachi to asobimasu. Ashita wa tomodachi to asobimasu. Donc, ashita... veut dire demain. Tomodachi, c'est les amis. Et asobimas, c'est le verbe asobu, godan ou ichidan, premier groupe, pardon, jouer. Kanpai mayu. Ah, coucou Ne, comment tu vas? Ah oui, alors Link, si tu débutes seulement... Je peux comprendre que tu aies un peu du mal. Hésite pas aujourd'hui peut-être à juste prendre le vocabulaire. Merci beaucoup Gelcram pour le prime. Je veux des clap 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 dans les chats. Clap 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 dans les chats. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Genki desu, bah, Genki desu, ça y est, j'en perds mes mots. Ah, je peux te la poser, comment tu vas? C'est trop gentil, merci beaucoup. Arigato gozaimasu. Asta wa Joe to asobimasu. Ah, narihodo ne. Joe to yu tomodachi. Kana. Merci pour le prime, c'est trop gentil.
Arigato ne. Arigato ne. Et du coup, je vous montre la réponse. Hein. Demain, je m'amuse avec mes amis. Demain, je vais jouer avec mes amis. Demain, je joue avec mes amis. Tout ce... Ah, Sensei, pas la ref? Ah non, j'ai pas la ref. Désolé, Saïma. Komenasai. Komenasai. Moi, je débute également. On va essayer de rattraper les cours en retard avant de suivre les lives. En tout cas, bon boulot de ta part. J'espère que tu continueras longtemps. Merci beaucoup, Mathieu K. C'est trop gentil. Ah, ce genre de commentaire. Ça me touche là dans le cocolo. Ça me tue tellement c'est gentil. Oui, du coup, pour ceux qui ont du mal à suivre, n'hésitez pas à regarder les redifs sur YouTube. Et merci beaucoup pour les pits, Payeux. Merci, merci, merci. Merci pour le prime, merci pour les pits. Par contre, c'est nouveau. Le truc de train de la hype, j'ai jamais vu ça, je sais pas si c'est un bug. Bon, yoku wakaranai kedo. Du coup, pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à regarder. Tous les cours pardon, sont disponibles sur la chaîne YouTube, par catégorie. Donc les hiragana, les katakana. Oh, merci beaucoup Tama. Hank 826 pour le follow, merci infiniment. Follow, je t'ai kurete. Arigato gozaimasu, sono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment nous as-tu trouvé? N'hésite pas à le dire dans le chat. Et oui, on a une CC en or, c'est la chance qu'on a. Oh, c'est trop mignon. Oh, merci beaucoup, Nei. Merci pour le prime. Et du coup. Tchou tchou, c'est le train de hype. Tchou tchou, c'est le train de hype. C'est parce qu'on est sur un stream de japonais, du coup le train annonce son arrivée. Mais oui, voilà. Voilà, voilà. Mais ça tombe bien, train de la hype. Et on a fini la première particule. Quel timing. Quel timing. Train de la hype. Train de la hype. Ouh. Ouh. Votre prof est fatigué. And the morning. Dance and hype. Tchou tchou. Décidionné. En soi, le train de la hype, c'est pas nouveau, mais sur ta chaîne, oui. Ah, naruhodo ne. Naruhodo. J'ai vu apprendre le japonais en suggestion et je suis fan de manga en VO. Alors voilà. Eh, naruhodo. Trop bien. Naruhodo ne. Naruhodo. Merci pour ceux qui ont déclenché le train de la hype, du coup. Hein. Densa ga ima heki ni hairimasu. Kyo tsukete kudasai. Ne, 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 ne. A l'aide. A l'aide. Est-ce que c'est compris pour cette première particule du coup? La particule d'accompagnement avec. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Par contre, les alertes, le texte blanc sur les diapos, c'est pas super lisible. Ah, pas, c'est vrai. C'est vrai, bah je vais changer ça. Je vais mettre le texte sur le GIF peut-être. Mettre le texte sur le GIF. Comme ça au moins tout sera visible. Oh, il y en a bientôt 60 sur la moyenne, trop bien. Bienvenue tout le monde, comment allez-vous? Please end... Hein? Please end up, ça veut dire ça? Quoi? Please send help? Ça veut dire quoi? J'ai pas compris. À l'aide. Tasukete. Wakarimasen deshita. Très bonne explication. Oui, oui, oui. Parfait. Parfait. Ah, bonjour, bonjour. Mais non, comment vas-tu? Des clap, clap, clap dans le chat si on peut passer à la suite, du coup. Coucou Barma, comment tu vas? Ah, Mina, daijoubu. Je vais suivre le cours de loin aujourd'hui, beaucoup de choses à faire, Irel. Ah, Wakatanei. Bon, de toute façon, la rediff sera dispo sur YouTube, hein, donc ne t'en fais pas. Ouh, merci beaucoup. Ah, Kimi no sukina senshi, arigato, goran kudasai, konnya no mondai. Arigato gozaimasu. Merci beaucoup pour le don, c'est trop gentil. Arigato, ichioro, moraimasu. Arigato gozaimasu.
Merci, Naïs, c'est gentil, du coup. On continue. Du coup, particule du point de contact, ni. Donc, cette particule-là fait partie, en fait, des particules de lieu. Hein. Le lieu, en japonais, on l'utilise pour pas mal de choses, et pas que le déplacement ou la destination, mais aussi ce qu'on appelle le point de contact. Donc, ça va indiquer quand... je vous lis, parce que ma phrase, je l'ai mal commencée. Donc, la particule ni indique le point de contact, le point d'impact touché par une action. Oh là là, vous faites des vannes entre vous, j'ai pas les rêves donc, de manière générale, la structure, ça va être un lieu ou un objet, plus la particule ni, du point de contact, et à la fin, un verbe. Point de contact, c'est là où il faut mettre la colle. Ah d'accord. Si vous le dites, moi je vous crois. Ah, coucou Homonoya, konbawa. Konbawa, genki desu ka? Eh, mada owatte nai yo, monda yo, kore kara da. Merci pour le don, arigato gozaimasu. Bon, aujourd'hui, je pense pas qu'on va faire level up beaucoup le train de la hype. Hein. Mais merci beaucoup Kimino Sukina Senshi, merci pour le don, je veux des clap clap là dans les chats pour le don de 1 euro. Merci. Après, je comprends, on est le 29, c'est la fin du mois. Ouais, bah exactement, Gusto. Mais non, je réclame pas. Mais vous m'avez habitué à des trains de la hype plus hypé, hein. Sacho, suki ni narimashita. Arigato gozaimasu. Arigato. Merci beaucoup. Merci, Kimino Sukina Senshi. Cette femme vénale, que voulez-vous? Ah, j'avoue, elle est habituée au Shinkansen, pas au TER. Une femme. Arigato ne. Arigato, merci beaucoup. Vous pouvez vous clapper pour les bits, les dons et les subs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sose, daisuki ni narimashita. Et. Ouh, merci. Arigato ne. Oh non. Arigato ne. Ichiyoro. Dandan. Okanemochi ni naru kana. Arigato. Non, il n'y a pas de récompense en plus pour pousser à y participer. Non, la récompense, bah, c'est les émotes Twitch. Hein. Le truc courant, c'est d'avoir des émotes exclus au train de hype, de ce que j'ai vu sur Twitch en tout cas. Bah, so desu ne. Sole dakere. Après, en général, c'est les gens, quand ils sont hypés par le train, justement, les petits subs gifs et tout, comme ça, les gens, ils ont des subs et tout. Mais le train de la hype n'apporte rien. ça apporte juste un bon moment de hype pour tout le monde. Et, ima wa ashiteru te dare deshou ka? Mandai. Shuryo. Ah, so desu ka? Ishitsumon da ne, sore wa. Dare kana? Arigato, kimi no suki na senshi, arigato. Arigato. Tudu, 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 tudu. Merci pour les tons, c'est trop gentil. Merci. Je fais des clap dans les chats. Ouais, bah en fait, je pense que les émotes, elles sont que à partir du... Dès que le niveau 1 du train est débloqué, on a le droit à une émote. Vu que là, on n'a pas réussi à débloquer le niveau 1, il n'y a pas eu de récompense. Je crois, hein. Je crois que c'est ça. Ah, kanpai, Megu-chan. Arigato ne, kanpai. On continue, du coup. On continue. Donc, ni indique le point de contact, le point d'impact touché par l'action. Donc, ni, cette particule-là, fait également partie des particules de lieu de manière générale. Hein. La structure de base, c'est un lieu, un objet, plus ni, et à la fin, un verbe. Et donc là, encore une fois, faites attention, hein, la particule ni, on l'a vu pour plusieurs choses, donc déjà la particule de temps, hein, le temps chiffré, et évidemment la particule de lieu, donc quand on a vu le but de l'action, le but du déplacement, pardon, et la destination. Et donc là, vous voyez une troisième utilisation qui fait elle aussi partie du lieu, ni, voilà. Tu vas finir par faire pipi culotte, mais c'est important de s'hydrater. T'inquiète pas, Megu-chan.
J'avais préparé, j'avais préparé. J'ai tellement mangé aujourd'hui, en plus, il faut vraiment, et c'est pas fini ce soir, il faut vraiment que je boive de toute manière. J'ai cru qu'il y avait une alarme qui sonnait dehors. En fait, non, c'est l'oie du cirque installée en face de chez moi. J'imagine trop une oie faire ce bruit-là. Bref, est-ce que les explications sont claires pour tout le monde pour cette particule? Donc, comme d'habitude, on va avoir un exemple, hein, dont celui-ci. Je vous laisse la lire et essayer de la traduire, cette petite phrase exemple. Sensei vs Wild. C'est vrai, Mayeux? Rien du tout? Alors, je vais réexpliquer avec l'exemple, si c'est vrai. Ah, Gelgrom, je te reconnais bien là. Hein. C'est tout toi, ça. Donc, Isuni, suarimashita. Isuni, suarimashita. Isu, c'est la chaise, hein. Et suarimashita, c'est suaru, le verbe s'asseoir. Je m'assois sur la chaise. Oui, c'est ça, hein, très bien. Très, très bien. Donc, je me suis assis sur la chaise. Donc là, vous avez une action et un point de contact. Vous allez faire une action et cette action va se finir sur un point, un impact. Elle va avoir un impact. Clairement, là, c'est vos fesses sur le cul de la chaise, hein. C'est le contact. Vous faites une action, il y a un contact. Et du coup, le contact, l'objet en question, le lieu en question, va être marqué par la particule ni. Vous vous êtes assis où et l'action, elle s'est arrêtée quand vous êtes assis sur quoi? La chaise. C'est ça, entre le cul et la chaise, impact. Et je parle pas de Genshin, ok? Est-ce que l'impact doit faire moins de pi d'une pièce de 2 euros? Ouais, sinon on peut pas la réparer. Hein, parce que car elle se répare, car elle se remplace, mais pas tout. J'imagine bien le compte à rebours avant l'impact. C'est en mode. Ici, ni salimashita. T'es cotonné? C'est ça, exactement. Donc, c'est du lieu, hein. On s'assoit sur quelque chose et il y a un contact. On s'assoit sur ça. Il y a un contact. Phrase suivante, du coup, ça va être la même chose. Hier soir, 19h, mon poisson a impacté directement la chaise de ma cuisine. Sans dessiner. Sans dessiner. C'est un peu ça. Oui, par moque. Je ne lirai pas ça, mais oui. Exactement. C'est quoi ces pubs là? Des pubs? Alors, Tsukueni hon o okimashita. Tsukueni hon o okimashita. Tsukue, c'est le bureau. Hon, c'est les livres. Okimashita, c'est le verbe oku, poser. Poser quelque chose. Encore une fois, hein, il doit y avoir un impact. Vous faites une action et cette action va finir sur un impact. Hein? Un point d'arrivée. Un impact. Il va. Impact. Je peux pas mieux imaginer que impact. Pas le postérieur, mais impact. Donc, Tsukueni hon o okimashita. Oui, très bien, tout le monde a. So desu ne. Subarashi, minasan, subarashi. J'ai balancé les grands morts de mon livre sur le bureau. Là, il y a un impact. Là, ça claque. Là, on peut mettre les. Pour ceux qui l'ont, les émotes Bubble Black. Celle-là, hein, il y a un impact. Oh là là, qu'est-ce que je dis? Je suis fatiguée, je perds mes moyens. Je perds mes moyens. Je ne suis plus là. Votre sensei n'est plus là. Merci beaucoup, Pandacool 23 pour ton follow, c'est super gentil. Follow, je t'ai coulé, t'es arigato gozaimasu sur notre channel et yokoso, bienvenue sur la chaîne. Et merci à toi également, Usopp Zeliar pour ton follow. Follow, je t'ai coulé, t'es arigato gozaimasu sur notre channel et yokoso, bienvenue sur la chaîne. Comment allez-vous? D'où venez-vous? Et comment nous as-tu trouvé? N'hésitez pas à le dire dans le chat.
Bon, je vous montre la traduction, hein. J'ai posé les livres sur le bureau, hein. Donc ici, l'action est de poser. Quoi ? Des livres. Donc vous avez des livres en main et il y a une action de poser quelque chose. Et forcément, ça va avoir, les livres vont être en contact avec le bureau et ils vont se poser là, tout simplement. Du coup, ici, Kayulu, le contexte ne te permet pas de savoir si c'est un livre, mon livre, des livres. Le japonais, il faut pas oublier que c'est une langue contextualisante. Hein. Et ici, aucun indice ne nous donne la bonne traduction. Donc, c'est au choix. Ça peut être mon livre, le livre, mes livres, les livres. Ça peut être du pluriel aussi, si on veut. Là, peu importe. Vu que Hon, ça peut être tout et n'importe quoi. Bon, ça a l'air d'aller pour celle-là aussi. De manière générale, de toute façon, ni c'est du lieu. Hein. Mais là, ça a un impact. Alors, sur la chaîne, il y avait les clap, clap, clap. Il y avait les cosso ado. Et maintenant, il y a l'impact. Ça va être un running gag, les gens. Running gag. Phrase suivante. Je vous laisse la lire encore une fois. J'en profite le temps que vous essayez de la traduire pour proposer ce petit Discord fort sympathique pour ceux qui n'y sont pas encore. N'hésitez pas, on est gentils. Impact. On dirait un nom de comment on appelle ça? Un nom d'attaque, genre de magie. Impacto. Je sais pas. Oh là là, je suis fatiguée moi. Ah, quel crâne, on a eu la même ref. Impacto. J'avais pas vu ton message. À ton avis, je dois apprendre tout le vocabulaire ou alors peut-être simplement les plus simples. Au début, Lynx, je te conseille de faire des listes par thème de ce qui peut être le plus utile tout simplement. Shilimpacto, sans dessiner. Il va falloir une commande impact. So desu ne. So so so. Je vous lis cette phrase. Kaban ni namae o kakimasu. Kaban ni namae o kakimasu. Donc, kaban, c'est un sac. Namae, c'est un nom, un prénom. Et kakimasu, c'est le verbe kaku. Godan, premier groupe, hein, écrire. Et donc, en sachant cela, comment on traduit cette jolie phrase? Vu que tu sembles venir de la Haute-Vienne, commence par apprendre les animaux de la ferme. Awakata, awakata. C'est tellement ça, Sensei. So desu ne, Yukimitan. Bon, ce que vous avez mis comme traduction, ça m'a l'air pas mal dans le chat, hein. Gelcrom, j'étais en train de dire, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est marqué? Et après, j'ai vu que c'était toi qui l'avais écrit, j'étais en mode, ah, oh, ok. Très bien, tout le monde. Sodesnes, balashi. Je suis contente, aujourd'hui, vous êtes beaucoup à participer dans le chat, ça fait trop plaisir. Arigato. Non, non, t'inquiète pas, Gelcrom, c'est marrant. Moi, j'aime bien. Voici la Kazoku, j'ai cru entendre Bible Black, donc je suis là. Ah, ma idée. Parce qu'on parle de... D'impact. C'est pour ça. Donc, la traduction, hein. J'ai écrit mon nom sur le sac, ou encore j'ai écrit un nom sur mon sac. Là, la possession, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Mais vous pouvez aussi la mettre. Ah, Kampai no Nemidea, Kampai. Donc là, c'est je suis en... C'est du présent, hein. J'écris... j'écris quelque chose sur quelque chose. Faut un sacré stylo pour l'impact MDR. J'écris. Ah merde, avec un S, excusez-moi mon français. Sumimasen. Voilà, on n'a rien vu. Y a pas de faute. Gomen Seima. Je passe pas au correcteur mon diapo et je fais souvent des fautes de conjugaison. Mais souvenez-vous, mon prof de primaire, c'est un prof de maths maintenant. Merci beaucoup, Kenny Ken 21 pour ton follow. Follow, je t'ai coulété. Arigato gozaimasu, sur notre channel, yokoso. Oh, merci beaucoup, Sasuke. Sasuke, il est dans le thème. On veut des clap, clap, clap pour Sasuke.
Ils sont les Uma Tsatsuke. Merci beaucoup pour ton follow, c'est très gentil. Follow, je t'ai coulé, t'es arigato gozaimasu. Son autre channel, Yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Donc là, voilà, hein, vous allez écrire, vous avez votre stylo, hein, et vous allez écrire quelque chose, et dès que vous allez écrire sur ça quelque chose, il y a impacto. Il y a un impact. Et donc, vous écrivez, et c'est sur un support, en fait. Hein. C'est sur un support. On voit rien, Megu, on voit rien. Fermez les yeux, fermez les yeux. L'important, c'est l'impact. J'espère que c'était pas un Vuitton, sinon rip le sac. Ouais, non, 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 on va éviter. Au milieu des montagnes, un Mathieu, il a enseigné l'art énigmatique de la langue française. Quoi ? Kikua ? Vous devez éclater la mine du stylo sur le sac. Impacto ! Bah, au moins, avec ça, vous avez compris. C'est un lieu, mais il doit y avoir un impact avec l'action. En gros, l'action doit atterrir sur cet objet, sur ce lieu, pour faire un impact, en fait. Hein. Est-ce que ça va pour tout le monde, cette particule, également ? On révisera ça jeudi, hein, dans le live d'exercice, mais... C'est pas écrit, c'est gravé. Ça fonctionne aussi, hein. Ça fonctionne aussi, en fait, Christophe. Hein. Quel mytho, Yelchrome, quel mytho. J'ai vidé plusieurs porte-mines à force d'impacter mes feuilles. Mais non, mais non. Particule du COI, complément d'objet indirect, les gens, voyons. Si c'est bon pour vous, les gens, n'hésitez pas à mettre des clap-clap dans le chat pour me dire que c'est OK. Bah attends, ça parle d'impact. C'est vrai, comment... Mea culpa, comme certains disent, mea culpa. Le but est de mettre en valeur l'action. Alors, pas forcément. Hein. Le but, c'est juste de dire que l'action va finir par toucher le lieu ou l'objet concerné, en fait. C'est surtout ça. Mais ça reste du lieu. Hein. Ça reste une particule de lieu. Je vous donne juste un autre sens. Parce que ni on a le but du déplacement, on a la destination et on a aussi le point de contact. C'est pour être plus précis dans chaque utilisation de la particule. Arrêtez, j'arrête pas d'impacter mon clavier depuis ce matin. Ah mais ouais, c'est ça, hein. Je tape sur les touches, c'est ni hein, l'impact. Hein. Vous êtes pas possible aujourd'hui. Je dis ça, mais je suis pas possible non plus. Attendez, depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire que voilà, c'est mieux comme ça. Je clappe d'une seule main parce que je suis pas sûre à 100%. Ah, ok, ok, ok. Je pense pas non plus, Mailleux. Vous êtes pas possible, c'est pas possible, vraiment. Kono note ni boru pen de watashi no namae o kakimashita. Sore wa kanpeki, Saima-san. Kanpeki. Pas toutes, mais on en voit deux autres. On en voit deux autres. Et donc, la troisième, c'est la particule du COD. Hein. Donc ni, quand on va parler du COD, désigne le complément d'objet direct. Forcément, je me répète. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on va désigner avec cette particule le bénéficiaire ou le destinataire d'une action, de manière générale. Ni le couteau suisse du japonais. C'est un peu ça. Il est où mon éconoté ? Attendez. Attends, je vais utiliser les manuels que j'ai pu commander grâce à vous. Hein. La particule ni a actuellement 4 utilisations. Donc une, il y en a une qu'on n'a pas encore vue. C'est ni avec des verbes d'état. Par exemple, ieni ilu. Ça, on l'a pas encore vu. Après, on a les particules de lieu, donc le but, la destination et le point d'impact. On les aura tous vus aujourd'hui. Et on en a une autre aussi, c'est l'agent d'un verbe quand il est à la forme passive. Ça, on ne l'a pas vu non plus. Et après, vous avez beaucoup de formes en japonais qui utilisent ni des verbes, par exemple, nia-u, ni tsuite, hein, au sujet de, ou encore ni taishite, vis-à-vis de. Hiza ni suaru no wa ichiban i impacto da. Hiza? Hiza te nani?
Je veux pas savoir, je crois. J'ai peur de connaître la réponse. Ah, Isa, tes genoux. Ma, pure de moi, qui tu qui kara, itsumo henna koto oite ru to omotte ru nda kedo. Ah, naruhodo ne, hisa ni suru no wa ichiban ii impacto da. Ça sort sur les genoux de quelqu'un, c'est... Ah, kanpeki, sore wa sugoku ii ne. So desu ne, sore cho kawaii. Kawaii sugi. Alors, Saima, ça sera quand je recevrai ceux de Junku. Junku ne me les ont pas encore envoyés parce qu'ils doivent d'abord commander tous ceux que j'avais commandés, ils les avaient plus en stock. Donc je le ferai certainement pendant les vacances. J'espère que d'ici là, je les aurai. Bah oui, voilà, ceux de Junku, je sais pas encore. J'aimerais trop savoir parler japonais comme ça. T'inquiète pas, Lynx, moi aussi, Pure Noob aussi, et tous ceux qui ont des bases en japonais, on a tous commencé par où tu as commencé. Hein. Donc t'en fais pas, il faut un peu de persévérance et tu peux y arriver, un peu d'entraide, et tout va bien se passer. Donc, attendez. Faut que je boive un coup. Non, 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 ils ont estimé que dans 10 jours. 10 jours plus l'envoi. Et comme le dit Saima, l'important c'est de travailler régulièrement, tout à fait. Tout vient à point qui sait attendre, je suis d'accord. Kampai, Mayu, kampai. J'ai trop soif. Non, mais j'ai failli m'étrangler là, vous vous en rendez pas compte. Arrêtez, merci Mayu. Merci. J'ai vraiment un truc dans la gorge qui me dérange. Soit. Donc, ça va concerner forcément une personne. Hein. On parle d'un bénéficiaire, d'un destinataire qui va bénéficier d'une action. Donc, la structure de base, c'est une personne, ni et un verbe qui fait référence à un acte pas bienveillant, mais vous faites quelque chose pour quelqu'un, en gros. Et donc là, bon, je reprécise, hein. C'est parce qu'il faut boire avec impact. C'est ça, exactement. Mais j'ai pas mangé pâteux, j'ai mangé une pâtisserie. C'est pas pâteux, c'était au chocolat. Si vous voulez tout savoir. Donc, la particule ni, je vous le répète, hein, mais on a vu celle du temps chiffré. Et plusieurs du lieu, but du déplacement, destination et forcément le contact. L'impact. Mais non, non, arrêtez les gens. Premier exemple, du coup. Donc Rebelote, je vous laisse la lire et essayer de la traduire pour ceux qui n'ont pas besoin que je donne le vocabulaire dans un premier temps. Do daro ne, do daro. Alors, pour répondre à la question de Lynx, il te suffit juste normalement d'aller dans tes paramètres et d'installer clavier japonais. Et fais juste attention, le clavier japonais, c'est en QWERTY et pas en AZERTY. Du coup, il y a quelques touches qui changent. Le A et le Q sont inversés. Le M, c'est la virgule. Mais ça, tu peux regarder des tutos sur Internet. C'est super facile à comprendre. Donc, je vous lis la phrase. Oba-san ni hana o agemashita. Oba-san ni hana o agemashita. Oba-san, la grand-mère. Hana, les fleurs. Et agemashita, c'est le verbe ageru. Donner. Offrir. Saima, tu peux le mettre sur le Discord. Hein. Lynx, si t'es pas sur le Discord, n'hésite pas à venir et j'essaierai de mettre un tuto dans les ressources pour le clavier. Oui, Christophe, ça marche. Ah, bon, parfait, Lynx. J'essayerai de... C'est quoi ton pseudo sur Discord? Si c'est le même, ça m'arrange. Je dis ça, je dis rien. Je vous laisse encore quelques secondes.
pour ceux qui veulent tenter de traduire cette phrase. Obaasan ni hana o agemashita. Ah, et je profite de voir le Discord. Pour tous ceux qui participent aux quêtes, n'hésitez pas à prendre un screen pour l'activité. Voilà, je tiens la pause. Faux screen. Ah, shaman, ça va, c'est facile à retenir. Shaman, je retiendrai. Je te ferai un petit ping avec un tuto. Bon, je pense que j'aurai pas d'autres traductions. Du coup, j'ai donné des fleurs à ma grand-mère. Bon, grand-mère y a un tiré, mais c'est pas grave. J'ai donné des fleurs à ma grand-mère. Donc, j'ai donné des fleurs, c'est une phrase basique. Hein. Hana o agemashita, j'ai donné des fleurs. Et à qui, hein, c'est la question, hein. Pour qui, à qui, obaasan ni, à ma grand-mère. C'est oui, tout simplement. J'ai donné des fleurs à ma grand-mère. Est-ce que ça va pour celle-là? Taijoubu desu ka? Wakarimasu ka? Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Si oui, vous pouvez mettre des clap-clap dans le chat, s'il vous plaît. Wakarunai. Wakaru yo? Wakaru yo? Hana, c'est ça, c'est les fleurs. Clap! Bon, ça a l'air d'être ok. On passe à la suivante. Encore une fois, je vous laisse essayer de lire et de traduire cette phrase sans mon aide. Et après, je vous la lis, je vous donne le vocabulaire pour que vous essayiez de la traduire si besoin. Ça marche avec plaisir, Lynx. Yo yo. Futsudesu yo. J'aime bien la petite parce qu'il est pauvre. Il a peut-être juste oublié sa trousse. Hein. Il est peut-être pas pauvre, il est juste teubé. Peut-être, je préférerais peut-être être pauvre que teubé. Vous faites rire. Donc, tomodachi ni pen o kashimashita. Tomodachi ni pen o kashimashita. Donc, tomodachi, les amis, un ami. Pen, le stylo. Et kashimashita, c'est kasu, prêter. Donc, tomodachi, les amis. Pen, le stylo. Et kashimashita, c'est le verbe kasu, hein, godan, premier groupe, prêter. Bah, ça va, hein, Dolly, Judy, il te manquait juste le verbe. C'est pas un gros manque de vocabulaire, hein, c'est le verbe. Kasu, prêter. Et du coup, en sachant ça, est-ce que vous avez d'autres... suggestions? Alors, attends, Saïma. Il y a un kanji que je ne sais pas dans ta phrase, j'arrive pas à le lire. Je crois pas que je le connais. Attendez, je vais le chercher. Ah, haka. Naruhodo. Obaasan no haka ni hanataba o agemashita. Peut-être au coup plutôt, j'ai été déposé un bouquet de fleurs hanataba sur la tombe de ma grand-mère. Mais oui, hein, t'as le lieu de l'impact, ou du moins le lieu de manière générale, et un bouquet de fleurs donné. Ça marche, hein, ça marche. Arigato sensei. Yeye. Yeye. Futsu desu yo. Oui, c'est ça, Seima. Naruhodo ne. Naruhodo ne. Alors là, c'est déposer des fleurs sur une tombe, j'imagine. Offrir. Sonaeru. Hana o sonaeru. Ah. Moi, en Yasashi Nihongo, j'aurais dit Ageru aussi comme Saima. Je connaissais pas, je savais pas qu'il y avait un verbe spécial.
Pourquoi je me recule? Je cherche l'impact. Ça dessinait. Bon, je vous montre, hein. Du coup, j'ai prêté un stylo à mon ami. Tomodachini. À qui? À mon ami, hein. Pen o kashimashita, au passé. Donc, j'ai prêté quoi? Un stylo. À qui? À mon ami. Hanao sonaeru. Ok, hanao sonaeru. Haka ni hana o sonaeru. Il ne me l'a jamais rendu, donc c'est plus mon ami. Ah, faudrait dire un truc du style Tomodachi ni reviens, toyu pen okashimashita. Alors ici, la particule O, c'est la particule du COD. Hein. J'ai prêté quoi? J'ai prêté un stylo. COD de la phrase. Elle va impacter l'écran, elle sera obligée d'en racheter un format WID. 49 pouces. 49 pouces, c'est beaucoup, non? Il fait combien le mien, Gosto? Le deuxième écran, il fait combien de pouces? Ouais. Non, mais l'autre. Le grand. Le deuxième. 24? Ah, d'accord. Donc, c'est beaucoup, 49. Hein. C'est ça, j'ai prêté quoi à qui? Sodessene, Saima. Sodessene. Phrase suivante. Donc là, pareil. Hein. Bon, je vous réexplique plus, hein, vous savez. Hein. Ah ouais, 49 pouces, c'est aussi grand que ça. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah d'accord. Oui, bah ça fait beaucoup, quoi. Ce balashi saïman et ce mot. Oh putain, ouais, d'accord, c'est beaucoup. Sodesene kayuru. Sensei ni mail o okurimasu. Sensei ni mail o okurimasu. Donc sensei, le professeur, hein. Mail, donc les mails, et okurimasu, c'est le verbe okuru, godan, envoyer. そうですね。Je vous laisse encore quelques secondes. Alors attention, mes goûts, hein. Ici. Le professeur, c'est pas ton thème, c'est pas sensei wa, mais le o kurimasu. C'est sensei ni, c'est le bénéficiaire de l'action. Donc la phrase ici, c'est watashi wa sensei ni, mais le o okurimasu. Pas ça non plus, Meg. Ici, le verbe, c'est pas recevoir. C'est pas morau. C'est okuru, envoyer. Le verbe à l'infinitif, ici, c'est okuru. Okuru, envoyer. Oui, 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 très bien. J'envoie un mail à mon professeur. Et donc, encore une fois, faites attention au temps. On n'est pas au passé. Hein. C'est pas j'ai envoyé, c'est j'envoie. Sensei ni mail o kurimasu. J'envoie un mail à mon professeur. Va te faire okuru. C'est pas mal. Ça sonne plutôt bien, je trouve. J'apprécie. Yosh.
Yoshokuno jikan desu, laibu tanoshinde ne. Arigato, bon appétit à toi pour nous. Matane, kite kurete arigato. Et bon repas à toi, bon appétit. Salut Kindi, je viens juste te dire bonjour et te donner plein de courage. Et plein de bisous, courage et bon stream. Merci beaucoup Ralph. Merci. C'est gentil. Arigato. C'est trop gentil. Je sais plus quitter, mais merci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ces particules? Si c'est bon, mettez des clap-claps. Sinon, mettez un arrobase apprenant japonais et posez-moi les questions si vous n'avez pas compris. Mayu qui bug et en même temps qui clappe. Bon, ça a l'air d'être ok pour tout le monde. Donc, dis-moi quand je peux aller faire à manger. Commence pas avant 20h. Hein. Commence pas avant 20h. Là, je pense qu'on en a pour un peu plus de 20 minutes pour la dernière partie du cours. Hein. Bon, ça a l'air d'être ok, donc 3 particules, du moins 3 utilisations, taux d'accompagnement, ni de l'impact et ni du COI. Là, vous en connaissez pas mal maintenant pour la particule ni. Et donc la dernière partie du cours, parce que sinon on avait fini là et c'était un peu rapide, on va travailler ce qu'on appelle les pronoms indéfinis et la négation totale, je traduis comme ça on va dire, c'est tout ce qui est nanika, nanimo, donc un mot interrogatif plus ka ou plus mo. De manière générale. Alors, si vous voulez faire une pause pipi, c'est le moment. Si vous voulez faire une pause pipi, c'est le moment. C'est le moment. Parce qu'on en a ouais, pour une bonne vingtaine de minutes. Je vais vous expliquer à chaque fois le sens. Qu'est-ce qu'il y a, Seima? On les a déjà vus, Nanika et Nanimo, un kanji. Oui, dans le vocabulaire. Mais pas dans l'utilisation dans des phrases. Parce que c'est pas que juste du vocabulaire, ces petits mots-là. C'est aussi, il y a des points de grammaire à connaître. Par rapport aux particules, justement, qu'ils utilisent. Ah, bah bonne pause repas également. Ah d'accord, bah ça marche pas, Seima. Oui, mes goûts sont dessinés. Cette expression, j'avoue, des vessies en acier. Je suis perplexe. Ah non, pas tout de suite. Ok. Bon, du coup, on va vous présenter, je vais vous présenter tous les mots, les nouveaux mots de vocabulaire que vous allez apprendre aujourd'hui. Donc, on a 3 mots d'interrogation à savoir de base. Hein. Nani, qui veut dire quoi? Dare, qui veut dire qui? Et doko, qui veut dire où. Et à ces mots interrogatifs, si vous y rajoutez ka, alors on a ce qu'on appelle des pronoms indéfinis. Nanika, quelque chose. Dareka, quelqu'un. Dokoka, quelque part. Et si on y ajoute mo, alors vous avez ce qu'on, avec une forme négative, une négation. Nanimo, rien. Daremo, personne. Et dokomo, nulle part. Donc on parle de choses, de personnes et de lieux, hein, pour chacun de ces mots à chaque fois. Vous êtes pas possible de ces conversations dans le chat. Ikemen wa dare abane sont dessinés. T'es sur quel réseau? Dokomo, c'est nulle part, sont dessinés. Donc, pour la première colonne, donc ce qu'on appelle les pronoms indéfinis. Nanika, dareka, dokoka. On va ajouter ka après un nom, un mot interrogatif. Hein, et de manière générale, votre structure, ça va être un mot interrogatif plus ka et
parfois derrière une autre particule. Et pourquoi je vous en fais un cours? Parce qu'il y a des règles par rapport à, ces particules. Et donc, pour ceux qui ont vu les lives, qui regardent les lives le vendredi soir chez Japan Kankei, il en a déjà parlé de ça. Donc, pour ceux qui ont vu son live, c'est un récap de ce que lui, il a dit. En tout cas, je vais vous le refaire travailler. Pour ceux qui ne regardent pas ou qui ne sont pas disponibles à ces horaires-là, vous l'apprenez aujourd'hui ou vous le révisez. D'accord? Donc, avec un pronom indéfini, on ne peut pas utiliser, on ne peut pas mettre derrière les particules ga, o ou e. Donc, dareka ga nanika o shimasu, par exemple, quelqu'un fait quelque chose, la particule du sujet, elle ne se mettra pas. On fait une action avec quelque chose nanika o, ça ne se dira pas non plus. Ou encore, doko ka e, aller quelque part, la particule ne se mettra pas. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment interdit, mais de ce que j'en sais et de ce que j'ai vu dans les manuels, on ne mettra pas les particules derrière. On ne mettra pas. On va voir des exemples après, hein. Mais ces particules-là ne vont pas se mettre derrière ces pronoms indéfinis. Les seules particules que vous pouvez mettre, c'est ni et to. Donc, par exemple, dans daleka ni, sous le ni qu'on a vu aujourd'hui, à quelqu'un, ou d'alekato, particule qu'on a vu aujourd'hui également, avec quelqu'un. Mais les autres, de manière générale, je préfère vous dire qu'elles sont interdites. Je ne sais pas si c'est 100% vrai, mais de ce que j'en ai compris, et moi pareil, je ne les utilise jamais, donc pour moi, ça ne se dit pas. D'accord? Il faut faire un réseau social qui s'appelle Docomo pour faire le bazar à Wakata. Ah mince, oh c'est pas grave. On va le supprimer maintenant, mais c'est pas grave ça. J'ai une petite faute. Arigato, aussi était collé, arigato. Donc. Ça, c'est une chose, hein, les pronoms indéfinis. Et évidemment, vous avez la même chose, mais pour les mots, la négation. Hein. Donc, vous rajoutez mot derrière un mot interrogatif et la structure de base. Vous avez un mot interrogatif, une particule qui peut être présente parfois, mot, et à la fin, obligatoirement, vous devez avoir un verbe à la forme négative. C'est obligatoire. Autant là, non. Autant pour mot, donc nanimo, dalemo ou dokomo, à la fin, vous devez avoir obligatoirement un verbe négatif, en forme négative. Ok? Et donc là, pour les particules, c'est la même chose. Dalegamo ou nani-omo, ça se dit pas, hein, ça existe pas, c'est dame. Ça, c'est vraiment, j'en suis sûre, c'est dame-dame, pour de vrai. La particule « et », elle, elle est facultative, on peut la dire, on peut ne pas la dire, ça ne dérange pas. Donc, « doko emo » ou « dokomo », les deux sont corrects. Et pour les autres particules, donc « daletomo » ou « dalenimo », ça se dit, et il faut le dire, de toute manière. J'ai eu l'impression de regarder Anne Roumanoff, j'ai pas eu report. Elle fait ça, Anne Roumanoff, sérieux? Je vais devoir aller manger, c'est super intéressant, merci beaucoup, hâte de venir à un prochain live. Oh bah écoute, merci à toi Hanyu42 pour ton follow, et on a cours 3 fois par semaine sur la chaîne, le lundi, le mercredi et le jeudi à 18h30, toutes les semaines. Donc à une prochaine, je l'espère, et puis si tu as des questions et si tu veux regarder les redis, bon tu as YouTube, on l'a dit pas mal de fois, et évidemment tu as le Discord, bien évidemment. N'hésitez pas à le rejoindre. Donc, au démo, ce sont ceux qui me font mon dossier pour mon année au Japon. Mais oui, 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 je les suis sur Instagram en plus. Merci, Saïma. on passe aux exemples, du coup. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Est-ce que c'est clair pour le moment? Ah, t'as de l'avance sur les cours. Ok, ça marche. Bah, parfait, nickel alors. Le mercredi, c'est grammaire et le jeudi, c'est cours d'exercice. Voilà. Bonne soirée à toi, merci d'être passé en tout cas et merci d'avoir participé dans le chat, c'est top. Arigato ne, hontoni, arigato.
Merci Seiba. Je suis contente qu'il vous plaise le manuel. Très. Je vous remonte le tableau. Hop. Et après, on a les phrases à traduire. Il y en a 7 ou 8 avec ces mots-là. Et on a fini pour aujourd'hui. Donc ça va. Un tout petit 2 heures. Même pas. Nani, dare et doko, nani ka quelque chose, dare ka quelqu'un, doko ka quelque part. Nani mo rien, dare mo personne, doko mo nulle part. Plus une forme négative, forcément. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si oui, mettez des clap-clap dans le chat, s'il vous plaît. Merci pour ce premier live pour moi, je dois partir mais je reviendrai. Bonne soirée à tous. Merci à toi Dolly, c'est super sympa d'être passé. Et merci également du coup d'avoir participé dans le chat. Hein. Je vous dis, c'est une des choses, quand je vois le nombre de personnes et que je vois beaucoup de gens participer dans le chat, c'est ce qui me fait je crois le plus plaisir au-delà de l'aide que vous pouvez faire avec les subs et tout tralala. Juste le fait que vous participiez, mon cocolo il est chiawassé. Hein. Je le trouve suffisamment bien pour m'en servir pour initier mes filles au canard. C'est l'objectif, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Déjà, yokata, yokata. Ben oui, je me suis doutée. Merci encore pour ta commande, Saïma. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont passé commande. C'est très, 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 très gentil. Trop pipou, ce tableau. Arigato. On regarde des phrases, du coup. Première phrase. Nanika tabemashita. Nanika tabemashita. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire? Nanika tabemashita. Bon, c'est pas une question ici, c'est Nanika tabemashita plutôt. Nanika tabemashita. Attendez, hein, je me suis trompée dans mon accent, c'est pas une question ici. Hein. C'est Nanika tabemashita. Excusez-moi. Je me suis posé une question alors que c'en était pas une. Sans. Nanika tabemashita. Nanika tabemashita. En effet, j'ai mangé quelque chose. Nanika tabemashita. Et donc là, vous voyez, alors, Christophe, est-ce que tu pourrais demander à ta femme, je suis désolée, hein, mais j'en profite. Nanika o tabemashita. Est-ce que c'est correct ou c'est vraiment incorrect en japonais? Nanika tabemashita. Nanika o tabemashita. Est-ce que c'est quand même autorisé? C'est genre pas recommandé, mais on peut le dire quand même. Ou vraiment la particule o ici ne se dit pas? Et donc, oui, tabemashita, hein, c'est le verbe tabelu au passé. Hein. J'ai mangé. Nanika, quelque chose. Coucou, Ayas, Tube. Comment vas-tu? Première fois que je te vois dans le chat, toi. Mince, peut-être que Christophe est parti manger. Konnichiwa, je découvre la chaîne sur un rediff et j'étais surprise de la qualité. En plus, ces cours sont pile à mon niveau. Merci pour ceci. Oh, trop chou! De rien, je suis contente que ça te plaise. Nanika tabemashita, c'est bon. Et Nanika o tabemashita. Ah, arigato Christophe-san! Sumimasen! Ok, donc ça ne se dit pas, donc les gens, finalement, retenez, hein, on ne dit pas avec la particule O. Nanika tabemashita, et pas de particule comme ce que j'avais dit juste ici. Hein. C'est ce que j'ai dit là. Hein. On ne le met pas. Mais j'étais pas sûre, parce que justement, moi aussi, Christophe, c'est ce que ta femme a dû dire, c'est « Choto haen da ne te » Ça dessine. Donc, nanika tabemashita, ne soyez pas tentés de mettre une particule. Il n'y en a pas. Voilà. J'ai mangé quelque chose. Phrase suivante. Dareka denwa o shimashita ka? Dareka denwa o shimashita ka? Dareka denwa o shimashita ka?
Tu as appelé qui? Alors, c'est pas qui, hein. Fais attention, Barmok, hein. Ici, c'est pas Dalé, c'est Daleka. Daleka. Sodesne. Donc, Daleka, quelqu'un. Denwa, téléphone. Et donc, Denwa Osuru, c'est téléphoner en posant une question. Philippe Epcheves m'appelle. Eh bien, rejoins-le. Rejoins-le. Donc là, la particule qu'on ne pourra pas mettre, forcément, c'est ga. Daleka ga. Ça ne se dit pas, hein. Denwa o shimashita. Mais pour vous aider à la traduire. Hein. Donc c'est est-ce que quelqu'un a téléphoné? Daleka denwa o shimashita ka. On est sur du passé, hein. Avoir téléphoné. Une question, et on a ce pronom indéfini, quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a téléphoné? Et c'est une question de base. Daleka. Ouh! Merci beaucoup pour ton follow, Basmesté. Ah, je sais pas lire les pseudos, excusez-moi. Follow, je te connais. Arigato gozaimasu, sur notre channel, Yokoso, bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment nous as-tu trouvé? N'hésite pas à le dire dans le chat. Au passage, Denwa, la parole électrique. Sodesne, Den, c'est l'électricité, et wa, c'est Hana parler. Subarashi. Est-ce que ça va pour cette phrase, les gens? N'hésitez pas à mettre des clap-clap dans le chat, si c'est ok. Dareka Denwa Oshimashita ka. Et donc, vous ne pouvez pas dire Dareka ga. On mettra pas ga. D'accord? Juste Dareka Denwa Oshimashita ka. Est-ce que quelqu'un a téléphoné? Ah, Wakata, Christophe, de toute façon, il reste quelques phrases d'exemple, hein, mais tu as assisté à tout le cours. Du coup, j'espère qu'il t'a plu. Merci encore d'avoir demandé à ta femme. Je profite un petit peu, mais merci beaucoup. Antoni, taskarimasu kara. Arigato gozaimasu. Bon, ça a l'air d'être ok, donc on passe à la suivante. Dareka to hanashimashita. Dareka to hanashimashita. Ah, c'est gentil, merci. Arigato. Hanashimashita. Donc là, c'est la particule qu'on a vue aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que je l'ai mis avec ce cours, parce que c'était genre pile poil ce que l'on allait voir en plus. Donc, Maso desene minasan. Très bien, très très bien tout le monde. Alors là, on n'a pas le la personne, hein, on ne sait je, tu, il, on ne sait pas. Hein. Donc moi, je l'ai traduit par j'ai parlé avec quelqu'un. Hein. Et donc là, je vous remets, hein, mais les particules ni et to, elles sont autorisées pour daleka ni ou daleka to, hein, par exemple. Donc daleka to avec quelqu'un. Hanashimashita, j'ai parlé. Et c'est le verbe à l'infinitif, c'est hanasu, parler. Un godan, premier groupe. Hanasu. Hanasu. So desu ne, très bien, Mayo. Très bien, Kayulu. So. Dareka to hanashimashita. J'ai parlé avec quelqu'un. So desu ne. So desu ne. Est-ce que c'est ok? On passe à la suivante? J'étais perturbée qu'elle se situe comme Hana, comme la fleur. Ah oui, non, c'est pas la même chose. Et c'est pas le même kanji non plus. Hanasu hanashimashita. Oui, croix de trèfle, très bien. Hana, avec un autre kanji, c'est le nez aussi. Hana. Son dessiné, c'est Ima. Son dessiné. Alors, on passe à la suivante. Oui, non, mais j'avais cru comprendre, c'est Ima. J'avais compris ce que tu avais dit. Parce qu'elles, les femmes, on parle avec des fleurs, romantisme. Sodeska.
Ah, Naruhodo, parce qu'avec les femmes, on parle avec des fleurs. C'est mignon, j'approuve. Merci beaucoup, Bizan0, pour ton follow. Follow shikurete. Arigato gozaimasu, sur notre channel Yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment nous as-tu trouvé? Dis-le-nous dans le chat. Voilà. cette petite phrase, du coup. Doko ka ikimashita ka? Doko ka ikimashita ka? Oui, Lynx, oui. Du coup, si tu ne connais pas encore très bien tes hiragana et katakana, n'hésite pas, hein, sur les réseaux sociaux, tu as tous les kanas. Et bah, du coup, y a, la manette est déjà passée, mais j'ai aussi créé un manuel. Et il est actuellement en promo pour apprendre correctement et plus facilement les hiragana et les katakana. Donc, n'hésite pas à aller faire un petit tour. Coucou Oli, comment tu vas? Ça fait longtemps. Seima, non. Doko ka ikimashita ka? Donc doko ka, quelque part. Ikimashita, c'est le verbe iku, hein, godan, premier groupe, aller. Non, t'inquiète, Lynx, Lynx, tout le monde, on galère tous. On galère tous à écrire les kanji. Bon, il y en a, ils ont plus de facilité, mais de manière générale, on galère. Trop bien comme concept, cette émission. Ah, c'est gentil, je suis contente que ça te plaise. Merci beaucoup, avec les petits cocolos, c'est trop chou. Bien, merci, et toi? Bah, ça va, ça va, ça va. Mais un bon début de semaine pour moi, du coup, je ne me plains pas. Donc, doko ka ikimashita ka? Donc, on est sur une question ici au passé. Je vous montre la traduction, hein. Est-ce que tu es allé quelque part? Est-ce que tu es allé quelque part? Doko ka ikimashita ka? On est sur du passé, hein. Est-ce que tu as été quelque part? Est-ce que tu es allé quelque part? Tout simplement. Tout simplement. Et donc là, je vous remonte le début, hein. Mais doko ka e, on ne va pas le dire non plus, du coup. Doko ka, tout simplement. Doko ka ikimashita ka? Doko ka ikimashita ka? Est-ce que tu es allé quelque part? C'est plus un simple live maintenant, c'est une émission. J'avoue, attention, ça ne rigole plus. Dab. Doko ka ikimashita ka, la question que apprenant le japonais pose à Gosto de manière suspicieuse. Pas du tout. Il va au boulot. Ou il va faire la cuisine. Bientôt, ce sera un vrai cours. Maso desu ne. Alors, le verbe à l'infinitif ici, Lynx, c'est iku. 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 Et ne t'excuse pas, hein. Tu as le droit et tu fais bien même de le demander. J'aime bien les gens qui posent des questions. Ma plus grande passion dans la vie, répondre aux questions des gens. Voilà. Merci pour ce premier cours, je dois partir faire un projet. Ton live était un moyen de faire une pause avant que je mange mon... Avant que je mange mon écran, c'est très relaxant et le cours est super intéressant. Encore merci et bien sûr je reviens. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Oh, ce genre de commentaires, mais les gens, vous êtes trop cute aujourd'hui. Oh, vous êtes des amours, je vous aime. Merci. Bah, je suis très heureuse du coup que ça t'ait plu et j'espère te revoir. Merci beaucoup pour ce petit commentaire. C'est très gentil, ça me fait plaisir. Egao, egao, je souris. Phrase suivante. Nanimo shimasen deshita. Nanimo shimasen deshita. Ça, quand c'est examen de kanji, tout le monde le dit. Nanimo shimasen deshita. Je ne vise personne. Rires.
J'ai rien dit non plus, Mayu, pourquoi tu te sens visée? J'ai rien dit du tout! Rien du tout! Nanimo shimasen deshita! Ça veut dire quoi? Ah, so desu ne, seima, kanpeki. Nanimo shimasen deshita! Nanimo shimasen deshita! Te, nan touyu imi desu ka? Nanimo benkyou shimasen deshita ne? So desu ne. Donc, nanimo, rien du tout. Rien. Shimasen deshita, c'est le verbe suru, faire, et ici, à la forme négative, passé. Autrement dit, et vous l'avez tous très bien dit, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, je n'ai rien foutu, j'ai rien fait, voilà. Vous dites ce que vous voulez. Et donc, c'est le verbe suru, faire. Et comme le dit Saïma, c'est un irrégulier. Très bien, très très bien. J'espère que je vais pas trop vite. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est parfait. Yokatta, yokatta. Du coup, phrase suivante. On a bientôt fini pour aujourd'hui, hein, bientôt. Dare mo mimasen deshita. Dare mo mimasen deshita. Merci, no name. C'est trop gentil. Arigato. Et je suis en train de me dire que j'ai presque plus à boire. Du coup, je vais rajouter un peu à boire dans mon verre. Oh merde. Ouh, heureusement que la bouteille était fermée. Dare mo mimasen deshita. Comment on traduit ça dans le chat? J'aime bien les petits commentaires. Barmok, très bon commentaire. San. Peux-tu remettre 2 secondes le diapo corrigé, s'il te plaît? J'ai bugué. Ah, oui, oui, oui. Je le remets 2 secondes. Et donc, pour les autres, c'était Dare mo mimasen deshita. Dare mo mimasen deshita. Dare mo mimasen deshita. Dare mo, personne. Mimasen deshita. C'est le verbe miru. Ichidan. Deuxième groupe. Ah, kanpai links. Kanpai. Le verbe voir, regarder. Mieru, c'est plus visible. J'ai vu. Fujisan ga mieru. Le Fujisan est visible. Regardez, ça peut être miru. Hein. Télébi au miru, regardez la télé. C'est le même kanji, mais faites attention, c'est transitif. Hein, transitif. Hein. Omimas ga miemas. Alors, ça dépend le sens de la phrase. Hein. Là, bon, je n'ai vu personne, c'est littéralement, t'es dans un bâtiment et tu vois personne. Il n'y a personne dans le bâtiment. Si tu te dis d'aller nimo, du coup, d'aller nimo awanai, au, awanai, aimasen, c'est littéralement, je ne vois personne dans le sens, comme tu le dis, hein, c'est le confinement, on voit personne. Là, c'est dans le sens, t'es dans un lieu et tu vois qu'il n'y a personne. C'est pas dans le sens rencontrer quelqu'un. La phrase d'exemple là, actuellement. Donc, je n'ai vu personne. Dare mo mimasen deshita. Donc, encore une fois. Pardon. Encore une fois, ici, avec un mot interrogatif plus mot, faites attention quand vous allez vouloir construire des phrases parce que votre verbe en japonais, et c'est obligatoire, doit être à la forme négative. Donc, mimasen deshita, hein, c'est obligatoire.
Gosso wa sensei, dare mo mimasen deshita, hontou ni. C'est un peu ça. Si la police te demande si tu as vu le voleur, tu dis dare mo mimasen deshita. Exactement, Barmok. Par contre, si la police te demande est-ce que vous avez vu vos amis aujourd'hui, ah, dare mo aimasen deshita. J'ai vu, je suis sortie avec personne, en fait, j'ai vu personne. So desu ne, so desu ne. Dorobo mimasen deshita. Je n'ai pas vu le voleur. Exactement. Très très bien. Naruhodo, naruhodo, naruhodo ne. Après, c'est ce que je pense, hein. Est-ce que c'est vrai à 100%? Peut-être pas, mais je dois me rapprocher de la vérité. La dernière, je crois. Ouais, la dernière. Dokomo ikimasen. Dokomo ikimasen. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Aima, c'est plus dans le sens de rencontrer. Oui, c'est ça, hein, Kalulu. C'est au, rencontrer, ni au, hein, plus précisément avec la particule. Dokonimo, dokonimo aimasen. Alors, Lynx, la négation, il faut que tu, malheureusement, que tu regardes des cours sur les verbes, sur la, les adjectifs, donc là, les verbes, hein, plus précisément. Parce que je serais pas capable sans l'aide d'un tableau de te l'expliquer. Donc le plus simple pour toi sera de regarder la rediffusion sur les verbes et de poser des questions sur le Discord s'il y a des choses que tu ne comprends pas. Parce que là en live, je pourrais malheureusement pas te la réexpliquer comme ça. Mais de manière générale, en fait, ici, on a une forme polie, iku, hein, da, dokomo ikimasen, iku. Tu le mets en i plus mas. Mais si je te dis ça sans exemple, sans explication, si tu vas, ça va t'embrouiller. Donc regarde plutôt la rediffusion. Ça doit être le cours 8, je crois, ou 9, je ne sais plus trop. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et du coup, vous avez tous donné une très bonne réponse, hein. Je ne vais nulle part. Très bien. Dokomo ikimasen. Dokomo, nulle part. Ikimasen. Ne pas aller, hein. Donc je ne vais nulle part, en français. Ça a l'air d'être ok pour tout le monde. Est-ce que ça va? Shitsumon, arimasuka? Est-ce que vous avez des questions? Si c'est ok, n'hésitez pas à mettre des clap-clap dans le chat. Mais pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, hein. Vraiment, c'est super important. Là, on a le temps, on n'a même pas pris 2 heures pour le faire. Vous avez tous été super efficaces, vous avez l'air d'avoir tout compris. Mais si vous avez des questions, c'est le moment. Parce qu'après, pour y revenir, ça va être plus compliqué. C'est normal que tu n'ailles nulle part, tu t'es fait choper par la police. Titi, titi, pienne, pienne. Honnato, dokomo ikimasen. Je vais nulle part avec une femme. Choto hen da ne. Choto choto. Sur le cours d'aujourd'hui, pas de questions. Ok, super Lynx. Merci une nouvelle fois pour ce cours. Ils sont vraiment super. Merci. Arigato. Yokatta ne. Yokatta. Je suis contente qu'il vous plaise et que vous ayez tout compris. Antoni. Sore wa yokatta desu. J'applique la leçon du jour, Sensei, c'est tout. Sifflotte. On va dire ça, Saïma, on va dire ça. Oh là là. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Écoutez. Comme le précise Maïe, hein, si vous avez des questions, le Discord est fait pour ça, hein, donc n'hésitez pas. T'es sur PC ou sur téléphone, Ligan? Todalo. Essaie de recliquer sur le lien, de recharger. Sur PC? Attends. Parce que moi, ça va pas me faire ce problème-là. Ouais, non, moi, ça me le met directement sur le Discord. Wakaranai, wakaranai. Maïe, c'est pas possible. Non, non, non. C'est pas possible. Ça marche pas?
Attendez, je vais vous générer un autre lien. Attendez. Inviter des gens. Modifier. Hop. Générer un nouveau lien. Essayez avec ce lien-là. Je suis d'accord, j'ai appris plein de choses et ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur le japonais. Un pas de plus vers la possibilité de parler aisément japonais. Ah, yokata! J'adore quand vous dites ce genre de message, ça me remplit de shiawase. Merci pour ce cours, c'est super intéressant, j'apprends en autodidacte et c'est génial de pouvoir faire un cours avec des interactions et une sensei aussi intéressante. Oh, vous êtes trop mignons, je vous aime. Vous êtes trop gentils. Merci Cédé pour ce super cours. Je vais filer, préparer à manger et me poser devant un anime. Merci tout le monde. Merci. Merci, merci pour tous ces commentaires. Vous êtes des amours. C'est un... C'est trop un bonjour aujourd'hui. Vous êtes trop des amours. Ah, wakata kalinors. Wakata. Du coup, les gens, on raid qui aujourd'hui? Est-ce que vous avez des recommandations? Alors, je viens de voir Nikki Travel dans mes recommandations, qui est apparemment au Japon. Mais je sais pas qui c'est. C'est un Français qui vit à Tokyo. Il est dans mes recos. Est-ce qu'il y a des gens qui le connaissent? Je suis d'accord, la sensei, c'est bien plus facile qu'en autodidacte. Ah oui, en autodidacte, je vous plains un petit peu. Je vous plains un petit peu. Sinon, toujours de super cours, explications claires. Ah, yokata, yokata des, yokata. Est-ce que vous avez des recos pour un petit raid, les gens? Oh! Ah non, t'arrives à la fin, Maïvo! Comment tu vas? Genki desu ko? Est-ce que vous avez des recos? Des petites recos là. J'ai personne de super méga intéressant que je vous ai pas déjà raid. Bah ouais, mais je l'ai déjà raid. Je l'ai déjà raid. Ah, bye bye, bon appétit Lynx. Du coup, merci à toi d'être passé. Merci d'avoir participé dans le chat. Et du coup, bah, n'hésite pas, hein, si t'as des questions, vu que tu viens d'arriver, j'y répondrai autant que je le peux. Ok, je vais regarder ça. Il fait quoi, Maeva? Il ou elle fait quoi? C'est une fille. Ah, j'aime bien quand c'est des filles. Ça change. Ah non, c'est la fin du live. Ah non, elle vient de reprendre. Oh bah écoute, pour une fois, on va suivre l'avis de Maeva. je suis pas sûre que ce soit juste... Ah, io, boku wa taberu. Genre, ça veut dire je mange. Donc c'est correct, c'est parfait. Comment? Elle est pas là. J'aimerais bien qu'elle soit là. Au moment où on raid, ça serait cool. Mais elle est pas là. On va suivre l'avis de Maeva. Oh, remboursé. Mais elle est pas là. Reviens. Reviens qu'on te raid. Please. Please. come back girl. Elle a l'air toute choupie en plus. Je vois sa pépé, elle a l'air très cute. Ah, donc on peut pas la raid, si je comprends bien. Elle est déconnectée. Si, il faut raid quelqu'un. Attendez, bah sinon on fait pas M. Hein. Oui, il y a Zoé Vidéo. Zoé Vidéo qui live. Mais elle a déjà tellement de gens. C'est bien de live des petits streamers plutôt. Bon bah on va live, on va raid Zoé Vidéo. Sait-on jamais. Hop.
Alors. Tac, tac, tac. Zoé vidéo. Allez, c'est parti. Ben écoutez les gens, merci à tous d'avoir assisté à ce cours. J'espère que comme d'habitude, il vous a plu. On se revoit mercredi à 18h30 pour les kanji. Nouvelle semaine des kanji, on va commencer à avoir les verbes. N'hésitez pas à rejoindre ce petit portail pour faire un petit raid de chez Zoé Vidéo. Bon, elle est connue, mais j'aime toujours regarder ses lives. À chaque fois, je rigole bien. Ça vous donnera des petits points en plus. Le message de raid, n'oubliez pas, tu t'es fait japoniser. Par les mochinobi, hein, forcément. Et passez une bonne soirée, tout le monde. Bon appétit à ceux qui n'ont pas encore mangé. Et puis bon courage pour la semaine. Des bisous. Mouah, mouah. Bye bye. Otsukaresama desu. Bye bye. Bye bye.